Bien, salut à tous. C'est Naxi. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vidéo-tuto sur RetroPie. Au programme aujourd'hui, la fonctionnalité Expand, qui est grande absente de Recallbox et que beaucoup aimeraient avoir sous Recallbox. Sur RetroPie, elle est disponible. Alors, c'est une fonctionnalité qui va nous permettre, par exemple, là vous voyez, j'ai une image que j'ai faite de ma carte SD qui est de 8 Go. Donc, ma carte SD fait 7 Go 42. Je vais décider de l'installer sur ma carte SD qui en fait 14,9. Donc, c'est une carte SD de 16 Go. Si j'installe classiquement cette image avec Win32 Disk Imager sur ma carte SD de 16 Go, je vais perdre l'excédent de place, à savoir que ma carte SD de 16 Go ne comptera que 7 Go49 Go d'espace, étant donné que j'en ai fait une copie, étant donné que j'ai fait un clone de ma SD de 8Go, que j'ai collé ce clone sur ma carte SD de 16 Go. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais écrire ce fichier sur ma carte SD. Donc vous allez voir une fois qu'on sera sous RetroPie que la carte SD ne compte bien évidemment que 16 Go d'espace, 14 Go 9 pour être exact. Et donc du coup on va voir une fois que ça sera terminé, je vais mettre la carte SD dans mon Raspberry Pi, je vais booter dessus et on va continuer comme ça et je vais vous montrer comment vous servir de la fonctionnalité Expand. Nous voilà donc de retour sur le Raspberry. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis la carte SD dedans et je l'ai lancée. On peut également voir ici sur le monitoring que euh, ma carte SD de 16 Go bah, en fait euh, n'a au total que 3,5Go de libre. Nous allons donc utiliser la fonction expand afin d'étendre la capacité de la, de la carte mémoire à sa taille normale puisque j'ai fait une image de 8Go sur une carte SD de 16, donc du coup j'ai perdu de l'espace, donc pour ce faire je vais dans Retropie je vais dans Raspi Config et là j'utilise donc Expand File System, donc je fais un coup vers la droite un deuxième coup vers la droite, enfin un coup vers la droite sur la manette pour sélectionner je valide donc là ça fait euh, route partition has been resized, field system will be enlarged upon the next reboot, donc du coup il faut redémarrer le Raspberry Pi, donc là je descends tout en bas, je fais finish. Ou du like to reboot no, yes. Le Raspberry va donc redémarrer. Donc là ici, est-ce que sur, euh, est sur RetroPie on peut le voir directement dans le UI Sitting Non on ne peut pas le voir directement là. C'était sur Recallbox qu'on pouvait le voir. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer ça directement avec le monitoring. Là on peut voir qu'au niveau du monitoring, le total de ma carte SD est, est bien monté à 14 ,6 Go 6 et que j'ai en espace libre 10 Go. Donc voilà, c'était assez simple pour aujourd'hui. Ça avait été demandé par pas mal de personnes à l'époque où j'avais partagé mon image pour Recallbox. Sachez donc que sur RetroPie, si vous prenez l'image que j'ai partagée, qui est donc l'image que j'utilise pour vous faire tous les tutos au jour où elle en est maintenant avec toutes les fonctionnalités que je vous ai présentées jusqu'à maintenant, et eh ben vous pouvez très bien prendre cette image de 8Go, donc sur ma précédente vidéo, je vais également remettre le lien dans cette vidéo là l'installer sur votre carte SD qui fait 32, 64 ou voire même 128 Go et après utiliser la fonction expand donc pour ne pas perdre les données que vous aviez en plus l'espace libre que vous avez en plus sur votre carte mémoire. Voilà, j'espère que tout cela vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures et je vous souhaite comme d'habitude de bien vous amuser. Allez, à ciao tout le monde.